Thank you.
ces terribles soldats. Je suis là pour vous défendre, madame. Oui, allez, assurez-vous s'il n'y a plus de danger, je vous attends. Et surtout, veillez bien sur ma voiture, mon or, mes bijoux. Oui, madame la marquise. Mes amis, je ne vous quitte pas. Je vous confie mon honneur. La paix partout, la proclamation est plus claire que le jour. Nous protégeons les hommes quand ils votent pas, et toutes les femmes quand elles sont jolies. Sacrée de l'étoile, elle marche sur la tête, et les couloirs
Comment?
Thank you.
voyons Marie, avez-vous donc pour père tout un régiment? C'est juste, le régiment est mon père adoptif. Ah, par exemple, cela nous change bien des choses. Et pourquoi, après m'avoir quitté, thank you.
Madame la Marquise, votre château, vous le nommez? Mais du même nom que moi, Berkenfield. Ah, sacre bleu! Quel rapport entre ce nom-là et celui du capitaine Robert? Plaît-il? Le capitaine Robert? Vous l'avez connu? Oh, beaucoup, monsieur. C'est-à-dire, non pas moi, mais une personne de ma famille. Ma sœur. Oui, monsieur, c'était ma sœur. Et cette sœur? Ah, oh, elle n'existe plus. Mais de son mariage avec sa fiancée? Il naquit un enfant. Une fille. Comment savez-vous? En effet, une pauvre enfant que le capitaine m'a dressée avant de mourir. Mais le vieux serviteur à qui elle fut confiée y perdit la vie. Et la seule héritière de ma fortune et de mon nom. Votre nièce. Perdue, abandonnée, écrasée dans la foule, morte, la pauvre enfant. Sauvez, sauvez, madame, grâce à nous. Oh mon Dieu, monsieur. Vous la connaissez donc? Ah, si je la connais. Mais encore un mot, monsieur. Cet enfant est-elle digne de moi, de son nom, du nom de Berkenfield? Je crois bien. Elle a été élevée. Parfaitement. Elle est noire d'ici? La voilà. Corbleu! Qui est donc cette âme? Chut, Marie, voilà ta tante. Sacrebleu! Oh mon Dieu! Elle jure! Quelle éducation! Alors, ma tante, je vais vous présenter mon père, le régiment tout entier. Oh, plus tard, plus tard! Il faut l'enlever, ces gens-là. Le plus vite possible. Mademoiselle Marie, il faut que vous repreniez désormais le titre et le rang qui vous conviennent. Et vous allez me suivre à l'instant. Vous suivre? Les abandonner? Mes amis? Je le désire. Et au besoin, je le veux. Et de quel droit, madame? De celui que votre malheureux père m'a donné sur vous, en mourant. Mon père! Allons, du courage, il le faut. Eh bien, oui, je partirai. Mais vous viendrez tous avec moi, tous! Miséricorde! Un régiment. Thank you.
matin, une nouvelle recrue, un nouveau soldat. Thank you.
si nous vous quittez, je vous suis. Impossible, vraiment. N'êtes pas engagé. Oh mon Dieu, comment? Jeanne-Marie! Enfin, la voilà mariée. Mariée à l'un des plus grands seigneurs de l'Allemagne. Oh, 150 quartiers de noblesse. Oh, si ma vie n'est pas assez heureuse avec ça. Madame la marquise, vous me désirez? Approchez. Approchez-vous, je vous le permets. Vous êtes un brave homme. Un bon soldat, si vous voulez.
Je crois, morbleu. Marie vous écoute, vous avez sa confiance et vous m'avez aidé à la rendre plus docile. Grâce à mes soins, son ton et ses manières soldatesques ont presque entièrement disparu. Et j'ai pu lui choisir pour époux le duc de Krakenthal. Et Marie, mademoiselle Marie. Elle a consenti, mais pas avec cet empressement que j'aurais désiré. Aussi, je compte sur vous pour lui donner du courage. Nous signons ce soir même ici le contrat qu'on enverra au duc à la cour. Duchesse, une vivandière. Silence, la voici. Allô, approchez, approchez, mon enfant. Thank you.
Thank you.
homme met les nerfs dans un état. Aussi Sulpice, c'est votre faute. Vous l'encouragez? Oui, c'est trop gaillard pour la circonstance. Aujourd'hui surtout que je réunis les plus nobles têtes du pays. Des têtes égales à la mienne. Ah, soyez raisonnable, mon enfant. Alors, embrassez-moi. Oh, tenez-vous droite. Levez la tête, là, comme ça. Ah, oh, quelle jolie duchesse cela fera. Elle est charmante. Charmante. Oh,
Quel bonheur, quel bonheur, quel plaisir, quel bonheur, quel bonheur, nous voilà.
écoutez-moi, écoutez-moi. Puisque je sens ton cruel et puisque j'ai sa foi, écoutez-moi. Puisque je sens l'amour, écoutez-moi, écoutez-moi. Écoutez-moi, vous ne savez pas, tout parlera, tout parlera, tout parlera, tout parlera. Écoutez-moi, de grâce. Ma nièce est promise. Dans une heure, on signe le contrat
et je vous prie de quitter ces lieux à l'instant même. Restez, Sulpice. Moi? Nous sommes seuls, Sulpice. Écoutez-moi. Vous êtes un honnête homme. Vous ne vouliez pas perdre une pauvre femme qui se confie à vous. C'est bien de l'honneur, madame la marquise. La haute noblesse de ma famille, son désir de me faire contracter un mariage digne de mon nom, m'avait condamné au célibat. Bien au-delà de l'âge où les demoiselles de mon rang se marient d'ordinaire. J'avais 30 ans, et quoique belle alors, j'étais libre encore. Pauvre fille! Le capitaine Robert m'avait vu. On dit qu'elle était... Oh, charmant! Ah. Je l'aimais! Et malgré mon horreur pour une mésalliance, je lui aurais donné ma main si son départ pour une campagne nouvelle ne nous eût brusquement séparés à Genève, où je l'ai suivi en secret. Ah, ah. Quelque temps après, je vins l'attendre dans ce château, mais j'y revins seule, sans elle. Elle? Qui donc? Ma fille. Marie? Oui, ma fille, dont il fallait cacher la naissance au risque de me perdre. Ah, oui, oui, je suis à présent. Oh, comprenez-vous maintenant? Je tremble que mon secret n'éclate tous les yeux. Comprenez-vous aussi que j'aime Marie et que me l'enlever, ce serait m'arracher la vie? Vous la garderez, madame la marquise, vous la garderez. Ce mariage sauve tout. Il donne un nom, un rang à celle que je ne puis avouer et me permet de lui assurer toute ma fortune. Oh, décidez, Marie, le contracter et j'aurai pour vous une éternelle reconnaissance. Comptez sur moi, madame la marquise. Un cœur de soldat s'en trompe pas et s'en trahit jamais. Madame la marquise, la société commence à venir. Le notaire attend déjà dans la bibliothèque. Oh mon Dieu, dans quel moment? Madame la duchesse de Krakentorf. Ah, madame la duchesse! Avec quelle impatience nous vous attendions, ma nièce et moi. Je vais avoir l'honneur de vous la présenter tout à l'heure. Bonjour, madame la marquise. Mais votre nièce n'est au point d'ici? Elle va venir. Sa toilette qu'elle finit. Oh, elle a tant à cœur de plaire à madame la duchesse. Tout le monde est-il présent? Tout le monde? Excepté nos futurs. On ne se conduit pas ainsi avec la première noblesse du pays. Oh, je me sens mourir. Quel scandale! Moi, je suis la duchesse de Krakentorf. Je suis prête.
Oui.